Bon, on commence ce bulletin avec une nouvelle de dernière heure. Anne-Sophie, j'ai bien qu'il y a les détails pour nous sur le terrain. Anne-Sophie, il y a un corps qui a été découvert dans le quartier Centre-Sud. Oui, exactement, dans une voiture. On ne sait pas exactement à quelle heure ça s'est passé, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que ça fait à peine une heure là, que l'enquête a débuté parce que le SPVM a été appelé vers 7h45 ce matin, un appel qui a été logé. Et je vous montre où on se trouve, oui, quartier Centre-Sud, au coin des rues Logan et Dufresne. C'est là qu'aurait eu lieu l'événement, dans une ruelle où un corps a été retrouvé, finalement, dans une voiture. Ce que le SPVM nous confirme à cette heure-ci, c'est que lorsque les services d'urgence sont arrivés, ils n'ont même pas effectué de manœuvre de réanimation sur le corps, comme quoi, là, vraiment, le décès a été constaté rapidement sur les lieux. Il s'agirait d'un homme de plus ou moins 30 ans et c'est environ, comme je disais, après 7h45 que l'appel a été logé. Il était vraiment inerte, retrouvé à bord de son véhicule et il y a un grand périmètre quand même ici sur les lieux, dans le quartier Centre-Sud. Donc, si vous circulez ici, là, évitez le secteur des rues Logan, Dufresne, Maisonneuve aussi et Poupard. C'est assez occupé par les policiers qui effectuent leur enquête. On ne sait pas à cette heure-ci non plus si les enquêteurs des crimes majeurs vont se rendre sur place parce qu'on ne peut pas vous confirmer s'il s'agit d'un meurtre. Ça reste à suivre, là, vraiment les policiers qui commencent leur travail à cette heure-ci de la journée. Bon, on suivra l'évolution de ce dossier aujourd'hui, Anne-Sophie. Ouais. Là, parlons de cette agression armée maintenant qui est survenue hier dans l'arrondissement Montréal-Nord. Ce qu'on sait, il s'agirait d'une histoire intrafamiliale. Oui, selon les premières informations du SPVM, qui ont été appelés à intervenir vers 1h45 ce matin dans un logement d'un immeuble de Montréal-Nord. Et lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, il y avait bel et bien un homme de 21 ans qui était blessé au haut du corps. Par contre, on ne craint plus pour sa vie, là. Il a été transporté en centre hospitalier et il se porte bien. Mais à l'intérieur du logement, il y avait un autre homme, un homme de 16 ans, qui lui a été arrêté. Là, il est considéré comme suspect. Il va être rencontré par les policiers un peu plus tard aujourd'hui, par les enquêteurs, évidemment. Mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en effet, ce serait une histoire de famille, une chicane qui aurait éclaté et la coopération n'aurait pas été facile avec le suspect. Écoutez justement la porte-parole du SPVM sur cette histoire. C'est un conflit intrafamilial qui aurait dégénéré entre la victime et le suspect. La scène a été protégée pour les enquêteurs afin de leur permettre d'analyser la scène et de tenter de comprendre les circonstances exactes de cet événement et l'enquête est toujours en cours. Alors voilà, deux enquêtes qui débutent là pour ici, à Montréal Centre-Sud, pour un corps qui a été retrouvé et cet événement intrafamilial. C'est des enquêtes, ce sont des enquêtes qui ont débuté cette nuit, ce matin. Alors on aura plus de détails plus tard pour vous. Soyez là un peu plus tard sur nos ondes. Merci Anne-Sophie. Merci.